René Cafana Gilbert a proposé au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, que je sois le candidat du RHDP à Yopougon. Bompé, tcha tcha tcha, et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaï. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh oui, l'affaire Adama Bitoro continue. Comme depuis c'est de ma bouche seulement on a entendu, c'est moi seul qui ai parlé. On s'est dit que non, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Bon, vous-même, vous allez entendre ça de la part d'Adama Bitoro. Vous avez entendu au début, non? Voilà, écoutez-le, voilà. Il, lui-même, il est en train de dire, ça sort de lui-même sa bouche, qu'il est candidat à la mairie de Yopougon. Écoutez-le. La vraie mamaï. Les amis, je vous laisse le côté. Je vous laisse le côté. Voilà. Et depuis là, c'est moi mais il parlait. D'autres se sont dit que peut-être que ah, c'est rumeur. C'est pas rumeur. Je vous ai dit que moi, je dis pas les choses dans le vide. C'est pas rumeur. Écoutez-le. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Il faut quand même pas escalité. Il est le représentant du président du parti, le président de la République, Alassane Ouattara. L'annonce vient d'être faite par le secrétaire exécutif. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce n'est pas des réseaux sociaux. Donc, le secrétaire exécutif a fait une annonce relativement à la candidature à Yopougon. Et il a bien indiqué que le président du directoire, l'actuel maire de Yopougon, le ministre d'État, Koné Cafana Gilbert, a proposé au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, que je sois le candidat du RHDP à Yopougon. Mais j'ai dit au tonton Bitoro, de tous les gens, de tous les cadres du RDR, de tous les cadres du RHDP, pourquoi c'est toi on a choisi? Moi je veux savoir ça. Nous tous on veut savoir pourquoi c'est toi on a choisi. Pourquoi c'est toi on a choisi, Adama Bitoro? Pourquoi c'est toi on a choisi? Je suis allé demander au ministre d'État, le Cafana. Aïe, comment moi j'allais demander au ministre Cafana? C'est à toi il demande. C'est toi qui es le tonton Choco, c'est toi qui es le businessman Adama Bitoro. C'est à toi il demande, c'est toi qui es président de l'Assemblée nationale. C'est à toi il demande. Pourquoi il n'a qu'à aller demander au ministre Cafana? Pourquoi? Moi je ne comprends pas l'affaire là. Je suis un homme de mission et à chaque fois que de besoin, je serai toujours prêt pour aller. Je suis un homme de mission. Et à chaque fois que de besoin, je serai toujours prêt pour aller donc accomplir les missions qui me seront donc confiées. Le président du parti a donc considéré, après que le président directoire m'ait proposé, que je devais donc à nouveau accomplir une nouvelle mission. J'attends donc que vous m'accompagniez tous et toutes dans cette nouvelle mission qui est noble. C'est quelle mission qui est noble, Adama Bitoro? C'est quelle mission qui est noble? Et si nous on a dit la mission est noble, hein? La mission n'est pas noble. On n'a pas dit la mission est noble, Adama Bitoro. Wallahi bilai, Adama Bitoro. Wallahi bilai, Adama Bitoro. Wallahi bilai, Adama Bitoro. Yopougon en ce moment, tu ne vas pas prendre. Non, Yopougon en ce moment, tu ne peux pas prendre. Non, Yopougon en ce moment, tu ne dois pas prendre. Ah, Michel Gbagbo, Diaoufoué, je vous appelle, oh. Je vous appelle, mes deux grands frères là, je vous appelle. J'ai dit, oh, Adama Bitoro dit, il veut prendre Yopougon là. Mettez-vous ensemble, oh. Michel Gbagbo, Adia Oufoué, oh. Je vous appelle, oh, vous deux là. J'ai dit, mettez-vous ensemble, vous allez prendre mairie là. Si vous avez laissé l'affaire là, et puis c'est rentré dans les mains d'Adama Bitoro là, ah, ça là, sûrement, ça sera pas bon. Mais comme j'ai dit là, Adama Bitoro, j'ai dit, sa candidature doit être contestée. Si ce n'est pas contesté, il va perdre. Yopougon, ce moment-là, c'est Yopougon de l'opposition. C'est l'opposition qui va gagner. Alliance PDCI, PPACI, c'est ça qui va gagner. Donc, on y va. Et les amis, vous qui venez de m'écouter, j'ai dit, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire. Et toi, si tu ne veux pas ici, je te dis, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Ciao. Créteil va être maintenant maire de Yopougon.
Créteil est député d'Agboville. Il est président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il vient être maire de Yopougon. Non, 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 non. Créteil ne peut pas avoir ça. Mairie là, seulement Créteil ne peut pas gagner. Alors là, là, là. Université de Créteil, grande école de Créteil, tout ça là. Eux-mêmes, ils disent que c'est bon. Eux-mêmes, ils sont étonnés même de la candidature là. Dans Adama Bitogo, Yachi, Aye Sabari, Yedi, il faut laisser mairie là. Yopougon, c'est pour Michel Gbagbo et Diaoufoué. Yopougon, c'est pour Diaoufoué et Michel Gbagbo. Yopougon, c'est pour le PDCI et le PPACI. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Mambo, oléléya, mambo, oléléya, mambo, oléléya, enfant ivoirien. Le pays que nous habitons s'appelle la France.